Salut. Bonjour. Nous menons des recherches à propos d'un spécimen nommé l'adolescent. Oui, chers camarades, nous voulons savoir un peu plus sur les raisons qui poussent plusieurs ados à avoir des relations dans un contexte amoureux. Mais il faut l'expliquer d'une façon humoristique, donc disons que les types d'engagement, c'est comme deux aimants. Aussi, c'est comme du scotch tape. Ou bien comme de la colle blanche. Revenons à notre sujet principal. Donc, ce qu'on disait, c'est que nous, les deux scientifiques, voudrons répondre à cette question précise sur plusieurs points différents. Pour avoir une relation sexuelle agréable, la présence des sentiments d'affection et de la confiance envers le ou la partenaire amène une ambiance de plaisir et de joie. Avoir une relation sexuelle, ça demande deux engagements, sinon ça peut arriver jusqu'à des regrets. Avec son ou sa partenaire, l'adolescent expérimentera des premières relations sexuelles, par exemple des bisous ou se tenir par la main. Les partenaires progressent vers une intimité qui intègre de plus en plus de comportements sexuels. Plusieurs risques et dangers peuvent arriver lors d'une relation. Par exemple, certaines personnes peuvent contracter une infection transmissible sexuellement ou par le sang. Ou même la maladie la plus contagieuse, l'herpès. Aussi, certaines adolescentes peuvent tomber enceintes suite d'une relation sexuelle. C'est dans tous ces cas-là où le consentement est très important parce qu'il faut dire à son partenaire si on se sent engagé pour le faire dans un lieu sécuritaire. Il faut savoir communiquer avec son partenaire car si vous n'êtes pas assez à l'aise de parler de protection, c'est fort probable que vous n'êtes pas encore prêt pour le faire. Pour finir, nous espérons que vous avez bien été attentif pendant cette capsule de 2 minutes qui vous sera probablement utile dans votre futur. À très bientôt.